Et konnichiwa minasan, c'est Mémoire de Légende et bienvenue dans un nouveau numéro d'M2L No Sekai. Un nouvel épisode un peu particulier ce soir puisque déjà je filme moi-même cet épisode ou plutôt cette émission puisque d'habitude je suis toujours accompagné de quelqu'un en tant que caméraman. Et ce soir je vous emmène dans un magasin spécialisé dans la revente et les achats de biens d'occasion. J'ai nommé Cash & Co. Alors Cash & Co ce soir organise un événement un peu particulier, une nocturne, c'est pour ça qu'on fait une vidéo ce soir. Une nocturne spéciale rétro gaming. Vous allez retrouver pas mal de super bolos, notamment des produits exotiques comme de la 3DO, du PCFX ou encore de la PC Engine. On va voir ça dans quelques instants. On se rend au 27 rue de Paris à Lille, à côté du Carlton. Venez, je vous y emmène. Voilà, ça y est, on y est. On est devant Cash & Co. L'événement a commencé à une vingtaine de minutes. Je suis un peu en retard et je peux vous dire déjà qu'il y a beaucoup de monde parce que ça part comme des types. Regardez. Arrivé, premier servi, il faut un ticket déjà pour commencer à acheter ces trucs puisque c'est une entrée gratuite. Tous les prix sont indiqués à l'heure à laquelle je vous parle, j'étais même pas au courant de combien valait tel produit, etc. etc. Vous avez pu voir du 64DD, du Super CD-ROM 2, ce qui sera intéressant à prendre pour moi. On va quand même essayer de tirer quelque chose là-dessus, on va voir. Allez. Il fait quand même lourd ici. Hein. Regardez s'il est pas content. T'en as eu pour combien? Très précisément. 150 balles quand même, c'est vrai que surtout dans l'état, nickel, notice complète et tout. Elle est sortie d'usine quasiment. Ah oui, alors carrément, ouais, surtout dans l'état, c'est vrai que ça en vaut la peine. Pourquoi avoir acheté la Lynx plutôt qu'un autre truc? Parce que je peux me permettre encore des coups de cœur sur le rétro gaming aujourd'hui, parce que j'ai une collection limitée, alors que d'autres personnes ont des collections et ont des cibles bien plus précises pour compléter. Ouais. Moi j'achète encore du côté import et tout, d'accord. Tu comptes y jouer après ou c'est vraiment juste pour collectionner Je pense que je vais y jouer par curiosité, mais elle va surtout rester dans cet état là. Ah, parce que t'as jamais joué vraiment à la Lynx? La Lynx, j'ai jamais eu de Lynx pour le coup. Mais tu connais de nom Ah ouais, je connais très bien. Comment t'as connu cet événement Facebook. Et tu viens assez souvent ici hein? Ouais, ça m'arrive quand je passe sur l'île, je passe régulièrement faire un tour voir. Je suis pas un acheteur régulier, mais ouais. Là c'était l'occasion de la vente. Leur système de tickets qui est plutôt pas mal, ça évite à ce que les gens se courent dessus et fassent un système. Ouais, c'est sûr, voilà. Ouais. Alors c'est bien, chacun son tour, on y va calmement. Je visais une autre console, elle est partie. C'était laquelle que tu voulais? Une Game Boy SP édition Famicom. Ah bah oui, dommage. Bon, en tout cas, c'est déjà un super produit du coup. Ouais, bah, je te conseille une chose, c'est de bien t'amuser avec. En attendant l'interview du boss, laissez-moi vous montrer ce que Cash & Co vous propose. Alors, bien entendu, il s'agit bien d'un magasin de revente et de biens d'occasion, mais retrouver des jeux old school en super état, proche de sa sortie en magasin, je trouve ça fort. Allant de la NES à la PS4, en passant par la Dreamcast ou encore la PC Engine, il y en a pour tout le monde. Vous trouverez du jeu PAL comme du jeu import, mais Cash & Co se concentre aussi sur la high-tech. Si vous cherchez un téléphone, un réflexe ou encore un ordinateur, eh bien je vous invite à faire un tour à Cash & Co. Les prix sont abordables par rapport aux autres concurrents.
Alors voilà, je suis avec mes deux potes, Rémi, que vous avez vu la dernière fois dans une vidéo où on avait joué à l'East Drill dans la Melt la dernière fois, au dernier bar, il y a 2 ans déjà. Et Jérôme, aka Bon Jovi, qui est donc vendeur. Et ça faisait un bout de temps que je voulais faire une vidéo là-dessus, et là du coup on est, comme je le disais tout à l'heure, en soirée nocturne à Retro Gaming. T'avais organisé un truc il y a à peu près 2 ans pour l'ouverture de ton site internet, mais là du coup c'était un truc tout public. Pourquoi, alors qu'il y a 2 ans c'était un peu plus privé C'était un peu les débuts de la boutique, donc du coup on a voulu un peu favoriser nos clients très réguliers. On a fait appel à des clients un petit peu, tu sais, qui viennent tous les jours, toutes les semaines. On leur dit voilà, on organise une vente, c'est un peu une façon de les remercier si tu veux. On a changé le concept, aujourd'hui ça va faire 4 ans qu'on existe. On a voulu ouvrir un petit peu le spectre. On a dit bah écoutez, là maintenant on a rentré un boulot, on va faire plaisir à tout le monde, c'est libre, la porte est ouverte, donc il y a de la lumière, vous pouvez rentrer. La vraie différence par rapport à la version version entre guillemets VIP, puisque c'était privé, chacun devait rentrer avec un ticket comme j'expliquais tout à l'heure, et je trouve que c'est bien plus pratique plutôt que tout le monde rentre comme ça, comme des... On s'est rendu compte que si on ne cadre pas une vente comme celle-ci, ça peut vite devenir la ouais, foire, ça peut être et, et du coup on peut avoir des gens qui veulent 2 fois la même chose, et du coup on sait pas qui privilégier. Comme chez le boucher finalement, on prend un ticket et le premier arrivé, premier servi. Et c'est vraiment le cas, puisque le premier lot qui est parti c'est une Super NES PAL. Exactement. Et certains ne sont venus que pour ça. Exactement. À un point où 4-5 personnes sont venues juste pour ça, que le premier arrivé a pris ça, bon bah ciao quoi. Ce qui est bien, c'est que t'as encore pas mal de petits lots qui sont là-bas derrière, ouais, du PC Engine, du GT, tout ça. Choses, ouais. Donc tout ça, je pense qu'on pourra peut-être le retrouver sur ton site. Sur du le coup. Site web, tout à fait. Donc www.cash-n.fr, on va y arriver. Et donc tout ça sera mis en vente sur le net dans les jours qui suivent, effectivement. Je voulais revenir sur une question un peu fâcheuse sur les prix. Par rapport il y a 2 ans, les prix étaient estimés via le site eBay. Ça, je me rappelais. Ouais, c'est ça. On fonctionne toujours comme ça, si tu veux. On regarde les articles qui sont vendus très récemment. On fait une moyenne de tous les articles vendus. Et on essaie de se placer toujours un peu en dessous. Comme ça, ça nous permet en fait de drainer un maximum de clients qui se disent « Bon, ben voilà, j'ai pas forcément besoin d'acheter sur eBay pour faire des bonnes affaires. » On continue de faire des bonnes affaires à nos clients en magasin. J'ai discuté avec un François qui a acheté un Jaguar CD à 500 balles. Est-ce que ça te choque, oui ou non, qu'ils te mettent des prix élevés comme ça, surtout dans la rareté et dans la qualité du produit? Moi, j'ai pas forcément pour habitude de mettre des prix comme ça dans mon magasin. C'est vrai que c'est pas tous les jours qu'on trouve des articles à 500 balles chez moi. Le seul truc, c'est que là, effectivement, on est tombé sur quelques pièces, notamment le DD64 qui est encore là, hein, mais qui probablement va partir dans les jours qui suivent. Ce sont des articles qui ont une cote qui est assez costaud, notamment de par l'état. Par exemple, la Jaguar CD, la dernière qui est partie sur eBay avant de terminer, c'est 749€. Ah ouais, quand même. Voilà. Et chez nous, 500. Du coup, c'est ce qui fait que la personne qui est venue avait déjà en tête que bah, pour 249€ de moins, alors oui, c'est une somme qui est quand même conséquente et qui est quand même assez importante. Et c'est vrai que moi, personnellement, je la mettrais pas dedans parce que je suis pas un gros collectionneur de Jaguar. Ouais. Mais cette personne-là qui s'attendait vraiment à venir chercher cette pièce est venue et elle s'est dit bah voilà, c'est cool, moi j'ai fait mon affaire parce que je sais que si j'en veux une aujourd'hui, c'est 750 balles. En tout cas, franchement, c'était une super soirée du coup ça fait plaisir à sauvegarder. Bah ouais, et puis en plus c'est pas la première fois que je viens, ouais, ici. Bah souvent, en plus à chaque fois t'es invité, donc t'hésites pas quoi, à chaque fois tu repasses, c'est un plaisir. Du coup, c'est ici qu'on va se quitter, hein. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu, allez voir le magasin de mon pote Rémi, donc du magasin Cash & Co. Si jamais il y a un truc qui vous fait plaisir, tout sera sur le site internet www.cash-co.fr ou .com, c'est pareil. Il y a une livraison gratuite, non? Livraison gratuite à partir de 90€ d'achat, et voilà, on livre dans toute la France, même dans le monde entier, avec par contre des frais de port dessus. On se retrouve pour un prochain M2L No Sekai. D'ici là, portez-vous bien, à une prochaine. Salut, ciao.